Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue sur On n'est pas chez Mémé. Aujourd'hui, je vais vous parler de course à pied. Oui, mais course à pied pour qui? Pour les débutants. Souvent, vous me dites, la course, ce n'est pas pour moi. C'est trop difficile, je m'essouffle vite, je ne vois pas l'intérêt, le but. Alors, le conseil que je vais vous donner, à vous débutants en course à pied, c'est d'y aller progressivement et surtout de courir lentement. Et de ne pas vous dire, allez, je pars aujourd'hui, je cours 20 minutes ou une demi-heure. Non, vous allez faire quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le fractionné. Mais là, vous allez faire du fractionné marche et course. C'est-à-dire, vous allez prendre votre petite montre chrono, vous partez, vous marchez 5 minutes et ensuite, vous trottinez une minute, mais une minute à allure vraiment douce. Hein, ne regardez pas vos kilomètres heure sans arrêt sur la montre, vous courez avec vos sensations. Donc une minute très doucement et ensuite vous marchez pendant 2 minutes, assez dynamique. Et vous repartez, une minute de course, 2 minutes de marche. Et ça pendant une demi-heure. Déjà si vous faites ça, vous allez augmenter hein, le battement du cœur, les battements cardiaques, qui fait que vous allez vous habituer progressivement à aller un petit peu plus vite que la marche. Vous faites ça une quinzaine de jours, 2 fois dans la semaine, ordonnance du médecin. Et ensuite, vous passez à 2 minutes de course ou 1 minute 30. Vous y allez vraiment progressivement. Donc, ça donne quoi? Je pars 5 minutes, je marche. Hein, vous ne partez pas tout de suite en courant. Vous faites monter le cœur progressivement et ensuite, 1 minute 30. 2 minutes de marche, 1 minute 30, 2 minutes de marche. Et ça encore pendant 15 jours. Et à chaque fois, tous les 15 jours, vous augmentez vos rythmes de course. Ce qui est important aussi, c'est la régularité. Donc, soyez régulier dans votre pratique. C'est ce que l'on appelle la routine. Alors, ce n'est pas un très joli nom, je trouve. Mais voilà, ayez une habitude. Une fois toutes les semaines, bah, vous essayez de garder une fois toutes les semaines. 2 fois toutes les semaines, vous essayez de garder ce rythme-là. D'accord? Donc, débutant qui aimerait faire de la course à pied, mais où vous vous dites ce n'est pas pour moi, moi je suis sûre que c'est pour vous. Vraiment certaine. Donc, suivez mes conseils, allez-y progressivement, lentement et vous verrez, vous aurez du plaisir et vous allez même vous impressionner. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et la petite cloche pour avoir mes infos quotidiennes. Restez heureux, on n'est pas chez Mémé, ça, faut pas l'oublier. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles infos sportives. À très vite les chéris. Bye!